Copliard. Hansen avec l'air. Copliard, la passe dans le dos. Lucas Ballot. Et Slavica Djukanovic, il a plongé. Parce que c'est l'homme aussi qui peut faire basculer le match. Hein. Alors en attaque, nous avons Dipanda, Krantz et Krakowski. C'est que ce garçon a des qualités de shoot exceptionnelles. Sur les tirs de loin, on voit encore la parade de Djukanovic. C'est sur cette parade qu'il s'est plus ou moins blessé. On sait que ce garçon a du talent. Mikael Hansen a tiré et Slavica Djukanovic. Hop, ici et voilà. Hansen et Marco Copliard, le médaillé d'argent et le médaillé de bronze du championnat du monde. Slavica Djukanovic, Raphaël Koster. Super. Allez, c'est marqué. Premier but pour Saint-Raphaël. Très bon début de match de Djukanovic dans les buts de Saint-Raphaël. Fred, déjà 2-3 parades. Et puis derrière, regardez cette relance. Elle est au millimètre. Ça passe entre les mains de Mikael Hansen. Dans les buts, Sierra avait plus ou moins anticipé. Il est en retard. Il ne peut assurer sa place. Bravo. C'est mon cadeau de Saint-Valentin. Je vous aime. C'est le jour de la Saint-Valentin. Exactement. Sur ce début de match, Nicolas Clerc, Marco Copliard. Et Mikael Hansen, ça ne va pas. Alexandre Thomas, contre-attaque. C'est du jamais. Ce soir, ça faisait des années qu'on n'avait plus vu ça. Coco Billard face à Geoffroy Grande, c'est Dipanda sur Garcia. Et oui, Djukanovic était là. Le ballon pour Saint-Raphaël. La contre-attaque, Raphaël Cocheteux. Hansen était revenu. Les Parisiens. Mikael Hansen et Garcia, passage en fort. Ça sera le changement attaque-défense pour Saint-Raphaël. Attention. Ça avait réussi tout à l'heure Raphaël Cocheteux, mais c'était à risque. Hop, attention, Raphaël Cocheteux, le but est vide. C'est le but le plus facile de sa carrière. Et ça revient doucement. Sierra là, qui est à la limite de prendre le ballon. Il lui aura manqué une demi-seconde. Grégory, dans votre traite, l'entraîneur du centre de formation de Montpellier, qu'on salue. Et Raphaël Cocheteux avec ou sans gardien, attention. C'est la même sanction, il n'y a plus que deux buts d'écart. Attention, attention, Paris qui s'oublie un petit peu en attaque, quelques pertes de balles. Et la contre-attaque qui jaillit très très vite. Raphaël Cocheteux une fois, deux fois. Et comme vous l'avez dit, Saint-Raphaël. C'est comme au bon vieux temps de Montpellier. Vojinovic avec Gunnarsson à la parade. Marco Copliard, Mikael Hansen. Terrible. Encore Djukanovic, mais quelle saison il fait Djukanovic. Et quelle relance pour Ekel Meganel. Il est monstrueux, Fred Djukanovic. Oui. Il est monstrueux, Djukanovic. Un petit marché. Ouais, voilà. C'est la question de laisser l'avantage. N'oublions pas que l'avantage, c'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre.